Bonjour tout le monde, ici Pika Bofixé pour un autre épisode de Ghost Warrior Tokyo. On est en train d'explorer, encore une fois. Je suis très loin, même. Qu'est-ce que je fais si loin que ça? Il y a du monde ici. Ok, ici. Ah, j'ai déjà prié cet assassin-là. On a mis au point ces cabines téléphoniques spéciales pour se joindre en cas d'urgence. Mais je pensais pas devoir m'en servir un jour. C'est un magasin. Pourquoi il nous faut une télécarte d'abord? C'était l'idée de Ed. Vois avec lui. Je peux passer ma télécarte. Je suis déjà, j'ai perdu la télécarte, celle de la série de photos d'animaux. Je suis persuadé de l'avoir laissée tomber à la laverie automatique. Je vais aller chercher là-bas. Qu'est-ce que tu vends, toi? Qu'est-ce que tu recherches? Rien, ok. Des lunettes de soleil noir. Des sandales.
J'ai des belles sandales. Claque pas tous nos méga. Mais non, t'inquiète. Ok, j'ai deux side quests. Trois side quests. Ok, on a trois side quests, on a un capa puis un affaire de même, ok. Fait que je pourrais faire celle-là en premier. Mal sournois. Tu sais que j'ai passé à côté, là. Alors t'es croyant, toi? Dans ces moments-là? Ouais. Jamais, mon petit ami. Il s'est suicidé. Non. Je n'arrive pas à y croire. Enfin, on avait prévu de se voir le jour même. Quelqu'un qui veut mettre fin à ces jours ne fait pas ce genre de projet, non? Alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver, d'après toi? Quand tu vas travailler, il doit se rendre dans ce bâtiment où plusieurs personnes se sont suicidées. Eh bien, c'est possible qu'un lieu comme celui-ci l'ait maudit. Dans ce cas, allons voir ça. Doit être ce bâtiment. Il est dégueulasse. En hauteur, peut-être. Comment est-ce qu'on entre ici? Je sens un truc bizarre. Hein? Un yokai? J'ai trouvé. Il y a une entrée ici. C'est quoi cette affaire-là? Vous êtes le prochain! Vous allez mourir et nous remplacer! Ah, on a un récalcitrant ici. Qu'est-ce qu'il entend par me remplacer? Ouais, c'était étrange. Mais bon, c'est juste un spectre. Un garaki. Un téléphone. Il y a un chat sûrement qui va voir ça quelque part. J'aime pas. Les vivants doivent prendre ma place.
parle de moi. C'est curieux. On dirait qu'ils sont tous maudits. Pas où je vois après, là. Pas là en haut. C'est fermé, évidemment. Bah, essayons de trouver la clé. Natsune de Karakatasko. Ça a l'air d'être des monstres qu'on a vus, là. En figurine. Fait que l'affaire de dans le bain de crasse, je vais peut-être voir ça m'amener. Non. Pour moi. Non. Je crois que j'ai compris ce qui se passe ici. Allez, d'où? Là, je l'ai pas vu pourtant quand j'ai passé à côté. Je vais trouver la clé. Ok, j'avais juste pas vu la porte la première fois que j'étais là. La malédiction est inévitable. Mmh.
La malédiction est inévitable. Sûrement une autre victime. Fois, je trouve que des fois que ça bug un petit peu le les visuels des potes. Ok. On m'a demandé d'aller au bâtiment des suicidés sacrés, mais j'ai tiré la courte paille. Bon, finissons, Jean, je ne veux pas être en retard pour mon rendez-vous avec Sakura. Rendez-vous avec Sakura à Kagiri, comme d'habitude. Est-ce que tu penses que ça pourrait être l'esprit du petit ami de cette femme? Peut-être. Mais on dirait qu'ils sont tous maudits. Donc on ne peut pas le faire revenir? S'il s'agit d'une malédiction, on doit éliminer sa source. Il est au-dessus de nous. Bien. Essayons de trouver sa trace. Il est au-dessus de nous. Là. Il pourrait être la solution de la malédiction. Attrapons-le. Je sais quelque chose. Là, j'étais en performance, mais performance... encore plus intense, je pense. Non, c'est encore plus pire. C'est le jeu qui est de la misère. Non mais sérieusement, vous pensez vraiment pouvoir vous cacher? Pas ça, un combat. Bien envoyé, Akito. Mais ici, mon petit Chris. Alors, c'est vous. Vous êtes la source. Mourir ici vous oblige à y rester pour toujours. Même mort, vous ne pouvez pas partir. Pour sortir, vous devez tuer. Abat cette ordure. Encore ce spectre. Si
J'imagine que la malédiction est conjurée maintenant que ce type n'est plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce type, il a maudit tous ceux qui sont morts ici. La malédiction les empêche de fuir, à moins qu'ils ne tuent quelqu'un. Oh, pas étonnant qu'il y ait eu autant de suicides ici. Ah, c'était une porte tournante, dame maudite. Croyez-moi, je voulais vraiment partir d'ici. Mais je pouvais pas me résigner à tuer quelqu'un. C'est très bien, mais je crois que quelqu'un vous attend. Comment ça? Je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il est grand temps pour vous d'aller prendre l'air. Quitter le bâtiment. Il m'est enfin revenu. Je ne sais comment vous remercier. Nous sommes enfin réunis. Je suis si heureuse d'avoir persévéré. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'a attendu tout ce temps. Si j'avais su, peut-être que j'aurais... Non, faut pas dire ça. Je crois pas que vous auriez tué quelqu'un. Ouais, elle vous a attendu parce que vous êtes un type bien. Vous avez sûrement raison. Merci à vous. Ils sont terminés, mal sournois. Un Magatami. Yay. J'en ai combien de Magatami? Hein? Ça, c'est fait. Je peux aller au nord. C'est quoi, c'est un aspirateur? Ça, c'est une statue, ça. Je suis pas mal sûr que c'est une statue, ça. C'est une shrine. De là. Non, je peux pas. Je veux la shrine. Là, ça va aller. Ok, là je suis là. Ça y est, quoi c'est là? Je pense qu'il y a un truc à prière en bas. Thank you.
Boys. C'est fini pour ces enfoirés. Le chien essaie de te parler? Vraiment? On va aller voir ça. À quoi penses-tu? Vous savez où trouver à manger? Je vais vous montrer quelque chose en échange. Allez, mange. Doucement, doucement. Je sens que ça va vous plaire. Ok. On dirait que ce Klebs veut qu'on le suive. C'est peut-être intéressant. T'attendais pas qu'il saute demain? Ça va! C'est le même chien que j'ai noué. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je pense qu'il est... Ah, oh, il me permet d'avoir deux. On peut la prendre, bien sûr. Mais oui, bien sûr. C'est une urgence. Ok, on a la télécarte. Mais je suis fucking loin d'où est-ce que je voulais aller. Comme d'agneau. Les monstres ont essayé de voler le pouvoir sacré du Kodama. Si cela arrive, l'arbre sacré dépérira et finira par mourir. Alors nous allons absorber le pouvoir du Kodama. C'est plus prudent. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nous devons sauver le Kodama.
Reprends-toi. On peut pas abandonner le Kodama. Abandonner le Kodama. Vous changez mon ultimate. Parfait. On dirait que ces choses ont finalement abandonné. Oh mon dieu. Personne n'aura sauvé, monsieur. Son pouvoir. Et partons. Mission terminée, Kodama. Tout des baissages, je vais voir dans le jeu, ça. I'm in danger. Qu'on a un copain, direct. Un copain. Ok. Je vais te parler. Je pense que le Kodama est plus en sécurité avec vous. Je vous en prie, prenez soin de lui. Ok. Il y a un kappa proche du site. Technique, gamin.
Oui. Je deviens de plus en plus fort. Ok, là, qu'est-ce qu'on augmente? C'est pratique. C'est une sale quest là, mais moi je vais faire le capot. En même temps, je vais checker s'il n'y a pas des... des affaires à prier. Hein. Concombre, j'en ai-tu des concombres? Il doit pas être loin. Place un concombre sur la plateforme. Essaie de l'attirer. Oh, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Et on attend qu'il mange. Comme la dernière fois. Quand il est distrait, on y va. Il faut pas le brusquer. Utilise la vision spectrale pour suivre ses mouvements. Quand il commence à manger, on y va. Il a pas. Ouais. Approche. Et voilà, un autre capote fait. Ok. Au travail, gamin. D'autres affaires là. Ouais.
Voilà. Genre des champs morts ici. C'est-tu un truc de prière ça? Ben oui, toi. Génial! Veille sur nous, petit gars. Les autres sont en haut. Je vais aller voir la grosse arbre là-bas et tout, qui me gosse un petit peu plus tantôt, là. Ben oui, toi. Oh my god, je viens de remarquer quelque chose. La pluie, là. C'est des mots japonais. C'est même pas de la pluie en tant que telle. Cool. J'ai jamais pu les sentir, ces tours d'immeubles. C'est beaucoup trop calme. Ouais, t'as un goût, quelque chose pour monter. Le voilà. Ouais, ça m'a tout l'air d'un Ethan Momen. Il nous a pas vus. Approchons-nous discrètement. Essaie de le poursuivre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
mines à filer. On devrait retourner au point de départ. On est peut-être là-bas. Qu'est-ce que c'est, du peps, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est bien ça. Je vais capturer cette affaire-là. Revoilà l'Ethan Momen. Ne le lâche pas cette fois. Suis-le grâce au grappin ou en volant. Cognez la tête. Attrape-le. Ça sera utile. Ok, cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il y a un chat ici. Canne d'avant. Il va encore lui. Veste spéciale Rio Division. Chapelet d'autodéfense. J'ai dit les dégâts c'est plus de 10%. Je pense que je vais l'équiper. Ça, l'arc, je le sais jamais. Je vais être honnête là. Il nous reste quoi là? Il nous reste une side quest. Rokurobu, en tout cas quelque chose. On va aller voir ça. Thank you.
pour aller mettre mes sauts. C'est qu'on veut. Augmente la durée de connexion. Oui. Eh, hey, c'est pas mal du tout. Waouh. C'était quoi ça? Je suis quand même curieux de savoir c'est quoi cette affaire-là. Ah, oh, c'est un chat. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à dire? J'attendais le bon moment pour quitter ce monde. Une super expérience, c'est sûr. Alors surtout ne vous gênez pas, faites-le. J'aimerais bien, mais quelque chose me retient. J'ai vu cette femme en bas de cette allée. Sa tête dépassait du coin de la rue, comme pour attirer mon attention. J'ai voulu aller lui parler, mais elle a disparu. Maintenant, je n'arrête pas de penser à elle. Ça m'empêche de quitter ce monde. Vous surveillez du coin de la rue, hein. C'était sûrement une recours au Kubi. Très bien. Allons voir ça. Hé, si vous la trouvez, demandez-lui ce qu'elle me voulait. Nous vous aiderons à quitter ce monde. Ne bougez pas. Ok. Coin de la rue, hein. Là. Oh my god, what the fuck is that? C'est quoi cette affaire-là, Carlis? Tente de nous séduire? Désolé, t'es pas mon genre. Allez, on va l'attraper. Quelle créature fantastique et... séduisante. Elle en fait un peu trop, mais je crois qu'elle veut de la compagnie. Bon, allons-y. Ne faisons pas attendre une dame. Absorbe son pouvoir et partons. Elle nous en a fait baver. Et tout est bien qui finit bien. Ils sont terminés. Alors ne faites pas durer suspense. C'était une recours au Kubi ? Ouais. Aucun doute. Ah, je comprends mieux. C'est comme si le brouillard se dissipait dans mon cœur. The fuck? Donc une... Roburo, en tout cas. C'est comme un serpent. Un yokai humanoïde possédant un long cou. L'étymologie de son nom est en partie ambiguë. Sekubi veut simplement dire cou en japonais. De nombreuses théories persistent concernant le Rokuro du nom, dont une idée dominante suggérant que le long cou évoquerait une poulie comme celle d'un puits à eau, justement appelé Rokuro. En dehors de la variété pouvant allonger son cou, d'autres yokai de ce type peuvent détacher leur tête et la faire voler autour d'eux. Dans de nombreux cas, ils ne peuvent pas contrôler les mouvements de leur cou, qui s'allonge parfois de lui-même.
La nuit en général, les Rokurokubi se cantonnent à des farces anodines, comme surprendre un humain la nuit ou lécher l'huile de leur lanterne de papier. What the fuck? Cependant, il existe aussi des témoignages de Rokurokubi vivant dans les montagnes et aimant violemment agresser des voyageurs la nuit. That's weird. Fait que là, on a fait les trois side quests qu'on avait disponibles. Donc, prochain épisode, je vais répondre au téléphone et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec tout le monde. Pika pika à tous, oui. Et à la prochaine.